Démarrage effectif des formations de la première session du projet FABA ce vendredi 18 août 2023 à la salle de conférence du groupe de presse d'Abaro. L'objectif du projet FABA est d'offrir des séries de formations aux jeunes sans ou en quête d'emploi, des scolarisés et aux entrepreneurs qui peinent à se stabiliser afin de mieux s'organiser et mieux établir des projets, voire même des plans d'affaires. Pour cette première session, on a parlé de l'efficacité personnelle ou chercher à se connaître. Sur l'ensemble des participants, tout le monde a été satisfait parce que connaître votre personnalité, quand on a fait ça, les gens m'ont avoué que c'est comme de la magie, mais que c'est du maraboutage. J'ai dit non, c'est pas maraboutage, c'est quelque chose qui reflète réellement. Dès que vous dites la vérité, les exercices ont fait ça sur vous, vous deviez être en mesure de vous sentir, connaître votre personnalité. Et votre personnalité détermine votre avenir parce que toute personnalité a des défauts comme des qualités. Des participants disent être désormais mieux outillés sur plusieurs points qu'ils jugeaient banals, mais qui sont très importants. D'abord, le projet me plaît bien. J'ai su au moins comment m'organiser dans ce que je fais, comment je pourrais bien gérer ce que je fais pour que ça aille de l'avant. Cette formation de ce matin, ça m'a beaucoup aidé à encore avoir un de plus sur ma mentalité parce que j'ai encore retenu quelque chose ce matin qui va beaucoup m'aider dans mon projet. J'ai vu que dans mon atelier, je peux encore améliorer certaines choses que j'ignorais. Après cette première séance, par exemple, j'ai repris un peu confiance en moi. J'ai su que je me sous-estimais un peu. Là maintenant, je me suis dit que j'ai aussi des valeurs que je pourrais mettre en pratique. Je remercie le projet et je leur demande de continuer ainsi pour pouvoir aider la jeunesse. La formation va se dérouler sur une période d'un mois. Suivra ensuite la compétition des plans d'affaires afin de récompenser les 5 premiers projets. La formation va se dérouler sur un mois. Après la formation, il y aura la compétition des plans d'affaires et nous allons primer les 5 meilleurs. Un franc, nous n'avons reçu d'aucun politicien. Ce sont nos grands frères, les aînés, qui ont mis la main dans la poche, la preuve, la logistique, tout ce que vous avez constaté ici. Ce sont nos partenaires qui nous ont donné ça. C'est l'occasion aussi de les remercier. Le projet FABA émane d'une association soucieuse du bien-être de la jeunesse.